Allez-y la main là. Bon là je me présente. Comme Sœur Angèle. Non, peut-être que Sœur Angèle parce que je ne peux pas prendre son nom. Je vais vous faire un petit gâteau bien ordinaire que Daniel aime depuis longtemps, désire depuis longtemps. Ça fait que là je commence. Ma farine elle. Comment qu'on va te farine, Nadine? Une tasse et quart de farine. Du quelle tasse à mesurer, Nadine? Dans le fond du bleu. Je l'ai dans la tasse à mesurer dans le plat. Dans le moment. Continue pas de mentir. On lave moins mal. Une tasse et quart de farine. Quelques quarts. Quelques quarts. Bon, à peu près. D'accord, bon, on met ça à peu près. D'accord. Quasiment de demi, en tout cas. On met le temps encore. Pour ça, vous mettez 3 cuillères à thé de pour la pâte. La cuillère à thé. Pardon. 3 cuillères à thé pour la pâte. Ah, il y a un gros plan pour ça. La pâte à pâte, je ne l'aménage pas. Je sais qu'il y a le truc. Oui. Trois cuillères à thé de pâte, après ça, une tasse de sucre. Une tasse de sucre. Après ça, vous mettez, si vous le faites au chocolat, vous mettez 3 cuillères à soupe de chocolat. Si vous faites le gâteau au chocolat. 3 cuillères à soupe de tannerine. Je vais déboucher les canettes. 3 cuillères à soupe, je ne suis pas précis. Vous n'êtes pas précis, moi non plus. Trois cuillères à soupe de chocolat. Après ça, vous mettez vos œufs. Cassez les œufs. Oui, mais je vais en mettre les blancs là. Puis les... Je sépare les blancs des jaunes. C'est ça le truc. Mettez les jaunes dans la préparation et vous envoyez les blancs dans un plat ordinaire pour fouetter après. Ça, je n'ai pas de choses. Oh, quand tu dors avec la recette de la Nadine, les œufs. Bon, après ça, je mets l'huile, le Crisco. Comment j'avais dit la dune, là? Le quart d'une cuillerée. Merci. D'une tasse de Crisco. Oui, ça m'a ma faim. J'ai mis la tasse de sucre. Oui. J'ai plus rien, ma tasse de sel. Vas-y donc, mais... Non, non. J'ai besoin d'une tasse. Là, de retrouver le fait. Le quart d'une tasse d'huile Crisco. Checker la ladine, c'est une russe correcte. Le tiers d'une tasse d'eau. Il y a plus qu'un tiers dans ça. Qui va faire le. Ah, ok, le dialogue. On va zigzaguer. Ok. Bon, t'as pas un masque? Le tiers d'une tasse. Puis là, vous brossez avec la cuillère. Canard, là, vous. Oh, canard!
tu devrais le brosser pour être sûr de te rappeler comment le brosser. C'est toi qui vas t'en faire ça. Tu mets Alexa. Faut que je fasse. Alexa, faut qu'elle monte ses blancs d'eux, là. Je m'en mets les blancs d'eux, là. Va monter les blancs d'eux, là. As-tu mis son four, hein? Oui. Il est chaud. Non. La recette va être... Mettre trois blancs d'œufs en neige. Comme c'est là, c'est Céline qui est bas. Elle donne d'avance. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Tes yeux font ce bon tour-là, ça fait d'amis. C'est de 5 ans, 3 ans, c'est bon. Tu vois un tour? Va chercher la recette, Daniel. Rien va passer au fond. Rien va brûler. Tu vas arriver un peu plus sérieux, là. Le moment critique arrive. Si tu veux, laisse-moi en bas, Louise. En bas, Louise. En... Ah, attends, t'as pas. En bas, il y en a. En bas, dans le cas. Non, en bas, dans le tourniquet. Ah, OK. Non, non, mais elle a dit non. Fait comme on est supposé. Tout n'a pas la dîme. La bonne essence de rabot que je vous base un peu. Non, non, je suis correcte. Ouais, là, ça sera le temps de débuter. Montrez-nous la couleur que ça a, celle-là, celle-là, la dîne. Regardez la couleur, ça est belle. La texture. Texture extraordinaire. Je vais manger les clous. Peut-être moins de l'enfer. Moi, je me réserve le clous. Si ça va, la texture. Désordé, la goût. Bon, le clous. Là, après ça, j'envoie le blanc d'œuf quand c'est bien dilué, là, je me sens. Vous n'avez pas de statue. Moi, je prends le. Attention, on va la cuillère pareil. Ça fait pas. Une langue de chat. La langue de chat. Ah oh, bon. J'avais oublié, moi, là, c'était la langue de chat. Chez nous, je dis la structure, ça fait pareil. Bien pareil. Ça va dans le cadre, Daniel. C'est assez brillant. Non? Un petit ombrage. Hein? Là, je rebrasse ça. Aladine, c'est quoi vous venez de faire, là? Là, je viens de mettre le blanc d'œuf. Qui était à fouetter. Qui était fouetté. OK. En neige. En neige. Après ça, c'est moi qui vais essayer d'en faire. Bon. N'importe qui fait ça. Ah, non, non. Oh. Non, non, après ça, c'est la recette des galettes blanches. Après, c'est la glace. Après, après ça, les petits rouleaux au beurre de pinot. Dis-toi, il n'y a pas de chaise. Il y a des chaises. Tiens, besoin d'une là. Daniel, il veut bien manger dans sa vie. C'est deux piastres sur notre chaise. Je sais qu'il y a tout. C'est bien Daniel, ça. La recette de Nadine. Et tu vas en profiter, toi aussi. Le gâteau, ça prend à peu près une demi-heure, mais si vous voulez, vous laissez 5 minutes de plus. Des fois, ça dépend des fours, ça. Hein? Où ça qu'on le laisse, là? Dans le four. À combien de degrés? 350. Pendant 30 minutes. 30 minutes. Ou 32 et demi. Oh, je peux laisser 35 aussi, c'est pas grave. Ça brûle pas. Oui, bon, là, à présent, ma cuillère à thé pour mon essence. Ouais, mais après ça, on peut le faire cuire, là, pour le montrer. Hein? Tiens, la cuillère, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Une cuillère à thé pour l'essence. Moi, je suis pas forte sur l'essence bien belle. J'en ai une cuillère à thé, ça donne beaucoup. Bon, le moule est déjà prêt. Mettez un papier dedans, papier ciré. Pas de beurre, hein? Pas de beurre, juste un papier ciré. Attention, ne pas oublier, pas de beurre. Très important, si on met du beurre. Une autre chose très importante, c'est le moule carré. Oui, moi, j'aime ça, moi, le moule carré. Carré, s'il vous plaît. Si vous voulez faire un autre champ, recette, prenez le moule en la carte. Carré, pareil, quand vous faites double recette. Quand tu attends de la visite, là. Oui, mais l'idéal, c'est un moule 9 en 9. Ouais. En aluminium, tu veux blanc. T'as fait trop, t'as fait. Merci. Avec ça, là, tu réussis bien. Bonsoir. Bon.
On peut voir le liquide couler, là. Je vais le monter plus haut, tu le vois de miel. Mmh, c'est bon. Chanceux que je me souvienne de ça, cette recette-là. Souvenez-vous de rien, mais sauf de ça. Non, non, je m'en souviens d'autre chose aussi, de crainte. En fait, le bâtonnet, je sais pas, de chocolat. Ah, votre gâteau blanc, vous faites comment avec la crème? Exactement, sans mettre de chocolat, là, de coco. Ah, ben, deux recettes dans une, les amis. Oui, juste, c'est ça, mon cher. N'oubliez pas. Prenez donc votre spatule, maman, c'est pas les. Mais non, si c'était avec les cuillères de bois. Change pas la recette. Bois, oui. Change pas la recette. Je n'ai pas de vaisselle pour ah, Louis, en a un Il va en rester plus de chaleur. J'en laisse assez dans la cuillère ceux qui veulent manger des bouquets comme ça. Là, pour voir, au four, 350, le plus chaud. On met au four à 350. 350. OK, amenez-le au four. Pendant 30 minutes. Ah, il est beau. Tu peux y aller. Cool. Qu'est-ce que c'est ta fête? Au four? Oui. 350 pendant 30 minutes. 350 pendant 30 minutes. Il faut manger plus bien, bon. Regarde, calcule les minutes, là. La recette de Ladine aujourd'hui, Paul. 22 avril 1984. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un instant grave. Répétons maintenant la recette de ce gâteau. Dis les ingrédients. Un quart tasse de farine, une tasse de sucre, 3 cuillères à thé de poudre à pâte, 3 œufs, un quart tasse de Crisco, une demi-tasse d'eau, une cuillère à thé de vanille, 3 cuillères à soupe de cacao. C'est vraiment bon, on va faire les petites galettes blanches. C'est quoi vous avez fait, là, Nadine? Là, c'est les œufs. La graisse. La graisse, il faut la battre comme il faut là, avant d'ajouter le sucre. Là, c'est rien que la graisse? Bon, c'est juste la graisse. Puis là, on va ça. 3 cuillerées de graisse. 3 cuillerées de graisse. Là, on va ça. T'ajoutes une tasse de sucre. OK. C'est pas mal, ça, Nadine? Non, c'est pas trop. Si là, ça serait-tu battu, là? Oui, okay. Oh, là, c'est correct. Ben, je vois, là. Si là, c'est correct? Oui. Ouais. Prenez pas trop, Joe! Tu peux ajouter ton sucre, Je sais pas comment ça se compte. Il est là? Bon, la graisse est battue. Ouais. Là, je vais te donner du sucre. OK. C'est mon sucre. Ben non, tu l'as dans la main? Une tasse de sucre. Une tasse de sucre. Je suis sucreuse pas mal. Ça va être bon, du sucre. Une tasse de sucre, on la vide dans la graisse? Oui, vide ça dans ça, brosse-le. Une tasse de sucre brossé avec la graisse. Ouais. Après ça, on ajoute les œufs. Là, le gâteau, il faudrait peut-être aller voir s'il est prêt. Oh non, une demi-heure. Il est aveugle, d'être prêt. Faut pas ça monte vite, le dire. Ben, va l'avancer le jour. Regarde-le, tu vas voir. C'est un petit piton, tu le cliques. Bon, là, t'es correct, là. C'est on va rajouter les œufs. OK, 3 œufs. 3 œufs. Le jaune, le blanc, tout ça. Tout, t'envoies tout. Puis là, en bas. Tu bas. Jusqu'à temps que ça soit tout en bas. En bas. Purée. Tiens. Ouais, zoom, zoom. On peut avoir les œufs, là, gros, tout. En bas. Que ça fasse un beau liquide. Ouais. Hein? De et que c'est beau ça. Oups, on n'en ramassera pas sur la table pour le montrer. Non, faut pas en faire. Là, on va avoir un miroir. Recule-le, Louise, le lien de les mains. On le voit.
Bon, là, une tasse de lait. Gagner des motos, là, ça fait du bien. Ah, ouais, encore, jusqu'à temps que n'ai plus. Hey, c'est fatiguant, ça? Ben oui, ce que tu veux. Si on veut manger. Si on veut manger de quoi de bon? Faut se fatiguer un petit peu. Faut se fatiguer, on change de moi. Ah, ben là, c'est commencé, là. Ça a-tu un sens, là? Ah, non, non, non. T'es quand même comme t'es. Ah, hein? T'es quand même comme t'es. Il y a encore des motos. On va attendre. Ouais, jusqu'à temps que n'ai plus de motos. On va en faire des bonnes. Le chien en dessous de la table, on m'a un coup de pied. Bon, c'est correct. Bon, là, tu sais qu'il y a un gros blé, excusez-moi. Tu vois que t'as rien à se mettre à côté. OK, il n'y a plus de moteur. Non. On met comment de lait? Une tasse de lait. Une tasse de lait, on brasse. Tout en versant le lait, on brasse. On brasse, ça sent bien liquide, là. OK. On va l'épaissir. Montre-le. Très liquide. On peut voir que c'est très liquide. On va l'épaissir avec de la poudre à part. On va mettre une bonne. Veux-tu avoir à l'érable ou bien à la vanille? À la vanille. À la vanille. On pourrait aller faire à l'érable si on voudrait mettre de l'essence à l'érable. Tu peux mettre n'importe quelle essence que tu veux. Voilà, je vais te donner à la vanille. Montre-le un peu, Louis, pour me faire la tête. Ah, videz ça, parce que okay. C'est à peu près. Non, non, je vais. Non, on ne fait rien à peu près ici. On mesure. On met combien? Une cuillère à thé d'essence de vanille. Une cuillère à thé d'essence de vanille. Bon, deux fois, je peux mettre un petit peu de force, ça comme meilleur. Un petit peu de force, ça comme meilleur. On va vite habiter. Regarde. On va vite habiter. Oui, c'est très apprécié comme recette. On va voir que. C'est habité. Il y a des motons, là. Ah, mais il y a pas de cuillère. Non, pas ma cuillère. Ça fait rien. Ça fait rien? Arrête un petit peu la spatule. Je vais prendre ton soupe et te démanche les dents. Bon, pas moi, là, ici, là, faut qu'on démange ça, la graisse du commencement. Là, je vais préparer ta famille. Tu aurais demandé à Alphonse, mais les gagnants, on voit tes fesses. Daniel, pour le tout, tu brasses homogène. On voit tes fesses. Excuse-moi. Tu brasses pour que le tout soit homogène. On brasse pour que le tout devienne homogène. Bien empoli les termes culinaires. Pas homosexuel, là, homogène. Faut que t'emmènes de l'autre, ou c'est d'argent, on va échapper. La farine, là, je vais vous dire franchement, j'ai jamais mesuré. Bon, on va mesurer aujourd'hui. On va mesurer aujourd'hui pour faire un spécial. C'est bien vous qui avez fait des galettes, mais vous chassez le nez, hein? Ah, mais, hein? Tiens. Gâteau, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, mais pas court. Ben, il est à moins 20 d'une saladie, je pense. Oui. Ah, ça fait juste 20 minutes. Ah, tout à l'heure aujourd'hui? On va le piquer tantôt. On sortira. On brasse toujours, les amis. Non, je préfère une tasse de farine avec trois cuillères à thé de poudre à pâte. Une tasse de farine avec trois cuillères à thé de poudre à pâte. Oui. Hey, de là, tu m'en sers pas, c'est de la poudre à pâte. On voit qu'Aristide, c'est. On est journée de la vedette. C'est servi au rouge d'air. Ah, Daniel. Hein? Vrai que Lou montre sa vedette qu'on est journée de la vedette. Oui, devrait la poser avec un contre-jour, là, comme ça. Tu dois arriver à l'autodoute. Oh, dans un instant, on fait des farces, mais là, on est en train d'oublier qu'on fait une recette. C'est quoi ça qu'on voit, Daniel, les chiffres, là? On voit pas de chiffres. Est-ce que là? Vous êtes juste avec la caméra, ça. Il t'attend que t'es voué. OK, là, on vive. Bon, vive, t'as pas été là. Oui! On la mettra duellement. Ben, vous êtes là. Ah ouais, mais Nelly, ça en parle tout. Là, puis... On vide de la farine, là. Une tasse de farine. Une tasse de farine, puis toi, tu as joué. Où est-ce tabarnak? Tu mets plus de cerveau. On va arrêter, là, de filmer, là. C'est ça, c'est ça. Ouais, là, c'est quoi qu'on a vidé, là? Là, on a vidé une tasse de farine, toi, qui aurais été pour la pâte. OK. Moi, je mets pas trop de sel, je vais dire, c'est parce que c'est défendu du sel pour moi. Parfait. Ça fait que c'est pour ça que je mets pas de sel. Pour nous autres aussi. Ça sent le sel. C'est-tu le truc là-dedans, c'est de brasser? Je sais, il y a question de sujet dedans. Le loup coupe, puis on... Là, j'ai mis... On filme rien, mais qu'on va mettre les ingrédients. Arrête de filmer. Ah, ben attends, vous allez mettre ça de suite? Oui. Les comptes-tu, les tasses de farine? Encore de la farine? Les comptes-tu, les tasses? Non, mais on doit le filmer. Les restes sont quasiment formés, là. Ben oui. Ça commence à avoir l'air... Si, alors, si hier soir, c'est mon cadeau. Encore, comment qu'on a, comment vous rajoutez? Là, j'en ai mis une tasse encore. Encore une tasse de farine. Ça fait deux tasses? Deux tasses. Ah, mais c'est mou, ça va aller mal, mais que ça vienne tout dur. Ben, faut que ça vienne dur, si on veut. Non, mais ça va aller mal, mais ma spatule, ça en prendrait un autre. OK, on veut une autre tasse de farine. Bon, une autre tasse de farine. Là, ça commence à baisser. Arrêtez, j'ai ça de seul, vous? Voyons. Ben, j'en ai fait assez, pas. On rajoute encore... J'ai entendu après ton grand-père pour l'enfer, mais on n'aurait jamais mangé. On rajoute encore une tasse de farine pour que ça vienne très épais. Ouais. Pour en faire des boulettes, vous avez dit? Oui. Vous les roulez. On veut les rouler, là. En tout cas, il est à bonne les femmes dans le thème, ça. C'est quasiment du pain, ça? On avait...
On avait les bras raides, hein? Cody! Ça va être du pain, là. Autrement dit, la farine, le truc, c'est de la mettre jusqu'à temps que ça vienne. Jusqu'à épais pour être capable de le rouler. Ah, elle arrête des petits bouts, là, on fallait d'abord. OK, encore, là, il n'y a pas une tasse. Non, il n'y a pas une tasse. Là, la dîne, elle veut que j'ai de la misère, puis elle me rajoute de la farine. Ouais. Ça vient dur. Allez, on va y gagner ces galettes-là. Non, c'est pas encore assez. Il en manque encore un petit peu. Mais tu vas être content. Ça irait quasiment bien avec nos mains. Non, c'est parce que là, c'est pour nous que tu viens à rouler. À rouler, là, ça va tout. Je pense que le gâteau est cuit. Ferme la porte, là. Allez voir, Nadine. Dis-tu trop? Allez voir. 5 minutes et d'habitude, c'est... C'est tout un contrat. C'est dur à faire, ça. Tu vois, mon Daniel, c'est trop qu'il va arrêter de faire ça. Ta femme va dire que c'est trop dur à faire. Ben oui, il est bien cuit. Bien cuit, ouais. Bon, ben notre gâteau est prêt, mesdames et messieurs. Arrête de filmer, Lulu. Il filme pas. Oui. Le découpé? Des petites affaires? Va demander à le même. Un couvert. Un verre, mais si elle avait des petites affaires de fantaisie, des trèfles, des affaires, là. Là, on a déjà n'a pas venu, là. Filme, Loulou. Un couvert, là. La dîne, un couvert de même rond, là. Oui, ça fasse aussi. La même rond. Que ça a l'air, là? Non, ça a l'air un peu pâteux. C'est parce qu'il faut mettre ça assez dur pour pas que ça... Ben. Ça va être graisseux, tu sais, quand tu roules, là, pas que ça colle après. Ah non, on va faire du rouleau à pâte après avec ça. Ouais, ouais, on va rouler à pâte avec ça. Comme ça. Ah, faut la faire comme il faut. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, une femme qui fait de cette scène. Ouais. Ta grand-mère en a fait en mèche. Ben, attends, on va venir de vous demander de me faire ça. Là, on va savoir la recette. Ouais, il va être correct, là. Ben, j'espère, parce que là, ça va brasser, puis là, c'est rendu. Là, on va mettre la farine ici sur le plat, puis on va descendre. Mais là, la texture, on étouffe, puis il faut pas que ça colle après nos doigts. Ça colle, que ça soit étouffé. C'est ça le truc. C'est ça. Pas que quand tu vas couper ça, ça va tout s'étendre. Non, mais la farine, pas que ça colle sur la plante. Je vais vous mettre la pâte. Je coupe, on a tout, là. C'est bon, hein, moi, ça va. Là, tu vas y mettre ça. Oui, j'ai mangé. Là, on fait tout ça? Ouais, attends, regarde, tu roules comme ça. On fait un rond avec la pâte. Un rond avec la pâte. Puis là, tu roules avec ton rouleau à pâte. Qui a voulu ici. Attends, là, mets un peu de farine sur le rouleau. Un peu de farine sur le rouleau à pâte? Oui, pour que ça colle. Comme ça? Ouais. Un peu de farine. Puis là, je paye ça. Fort. Tu paye ça. Tu le tends. Oh, ça roule, ça. Colle, hein? Ça colle, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça va, c'est un radio canadien! On a vu que ça collait après le goulot à pâte. Ah, on va recommencer avec le goulot, vous maintenant? Non, non. C'est pour ça que je vais recommencer. Parce que vous pouvez peut-être trop fort. Ouais, je vais l'éviter. Vous faites ça sur même, vous voulez. C'est ma fille. Comment plus facile à manger, la feuille? Toujours. Veux-tu les faire bien épaisses ou assez épaisses? Non, seconde, là. Normal. Hein? Normal. Je peux s'en prendre comme ça? Non, laisse-le. On va dire. Une! Et beau tiers, je sais. Ça filme, là, maintenant? Tu passes vers la caméra, toi, écoute. Mets de la farine. On met de la farine après le bout du verre parce qu'on n'a pas d'autre chose. Parce que c'est pas que ça colle. Ah, mais pris dans le plat, tu sais, okay, c'est pas grave. Là, on fait des ronds. On fait des ronds. Faut pas perdre trop d'espace. Hey, la dîne, combien on ouvre le four? Et voilà, mesdames et messieurs. La première galette accomplie ici aujourd'hui. On la met dans une tonne qui a été graissée auparavant avec de la graisse Crisco. Oui. OK. On la met dans le coin ici, là. Le coin gauche? Oui, oui. Parfait. On fait notre rond. Là, on peut voir la succion. Là, on fait plusieurs ronds. Ouais. Tu peux les mettre plus proche, tu perds du terrain. Perds du terrain, on perd de droit, mais ils sont pas perdus du tout. Non, on les refait. OK. Oui. Et voilà, une deuxième. Une troisième. T'en as trop un petit peu ici, là. De faire beau, hein? De faire chaud.
Puis tu mets toujours celui qui a de la farine un peu en tour dans le tâton. Pour que ça colle. OK. Oui, tout de suite. Alors, je pense qu'on s'en va aller un petit peu. Ça, on la fait un moteur, on la roule. Oui. Mais essayez le rouleau proche, je suis capable. Des petits coups de main, là-dedans. Oh, oui, c'est bon. Ça? Il n'y a plus de farine dessus sur l'eau. Ah oui, OK. Bon, dis-moi rien, bon. De plus en plus en plaisant. Attention. Oui, c'est sûrement, c'est bien qu'on va les gâtes. Ah, c'est... Mais tu comme ça, t'as pas... OK, non, ça c'est... C'est assez, ça, c'est peut-être un petit tour trop moche, on n'a rien qui n'a pas fait de rond. Ben, ça fait rien, bon, on fait... Fait qu'on continue. Continue. Ça va bien. Ça va bien. L'affaire est dilidou la là, je l'ai fait trop long, pas du temps. Et, qu'on s'en vient voir, Nadine? Et voilà, t'arrives tout de suite. Oups, voilà. Il faut s'en aller. Il va falloir remettre de la farine, hein? Ouais. Sur notre plaque de boue. Oui, ça fait. Là, la petite lumière rouge qui flash. Quand c'est collé un petit peu sur la plaque de bois, puis un couteau, il est décollé. Là, maintenant, il y a un piton rond, ça a poigné, pèse dessus, ça va être fini. Où ça, là? Ça a poigné, ouais. Non, un piton rond. Pèse dessus. Ça? Et voilà, les galettes de la recette de la dîme d'aujourd'hui est prête. Là, on va mettre ça dans le four, hein? Oui. Combien de degrés? 400. 400 degrés pendant. 20 minutes. Une vingtaine de minutes. On regarde, puis quand ils sont prêts. Quand ils sont prêts, on y va. Belle couleur, les mains. C'est formidable, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Jour gâteau au chocolat. C'est pas bon. On a fait fondre du beurre. Comment je t'ai mis de beurre? On a mis à peu près une cuillerée de beurre. Cuillerée à soupe? Cuillerée à soupe, oui. Ouais, bon, mais ça. Je vais mettre. C'est quel gel? 3 cuillerées de cocoa frais. 3 cuillerées de cocoa. En poudre, oui. Bon, on va filmer, c'est important, là. Ouais. Bon, d'une dame, ça. Tu veux-tu avoir du cremage sur ton contour, ou si t'en veux pas? Ouais, on a dû mesurer. Tu mets la valeur d'une tasse de sucre en contour. C'est plus qu'une tasse, c'est pas mal. Comment est-ce que t'as mis de beurre? Ah, une cuillère, oui. Une cuillère à soupe de beurre? Oui. T'as fait fondre ça.